à chacun une chaleureuse bienvenue dans cette salle. Je voudrais ici, au nom de la famille dans son entièreté, dire à tous et à chacun merci du fond du cœur. Et ici, si vous me le permettez, déclamer le programme des hostilités auxquelles nous sommes en droit de nous attendre ce soir. On va dans quelques instants ouvrir ensemble un livre dont la Genèse se situe à la deuxième moitié des années 40 et a connu son apocalypse le 12 juillet de l'an de grâce 2017. Nous voulons ici parler de la naissance, de la vie et surtout du départ de Papa Taba Eli Flaubert, comme on aimait affectueusement l'appeler de ce côté-là, voilà. Ce soir, c'est le soir de son soir. Passez-moi le pléonasme. On va, ici et maintenant, permettre au corps pastoral de nous rejoindre ici, parce que cet instant se veut un instant de recueillement, et donc, homélie pastorale s'impose ici et maintenant. Please let us stand together and welcome the pastor. Voici un temps d'écoute, de manche, de méditation. Nous demandons Dieu notre Père, tu nous aimes.
Nous sommes des enfants de mon peuple Jésus-Christ. Il nous a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différends. Et fais de nous un seul peuple. Nous te louons pour cet instant qui nous fait rentrer, prédit dans la gloire de ton nom. Et nous allons chanter « Venez au Sauveur ». Pour allonger la prédication,
de ce soir intitulé « Notre mission sur la terre ». Le texte est tiré du deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5, verset 5 à 9, je dis. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons à l'œuvre éternelle. Et nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous revenions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau, nous-mêmes au fait de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous en sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi donc, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle culture. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a conciliés par lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc l'impression d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parole. De conduire la politique extérieure de la nation. À ce titre, il ne représente pas lui-même. Il représente le président, la population. Il représente la nation tout entière. Pour mieux exercer sa fonction, au cours de l'exercice de sa fonction, l'ambassadeur a besoin des moyens matériels. Il a besoin d'une voiture haut de gamme. Il a besoin d'argent pour conduire sa mission. Mais tout ceci ne sont que des moyens pour aboutir à l'objectif final qui est de représenter sa nation. Et dès lors que l'ambassadeur, avant d'aller représenter sa nation, il ne vient pas des mêmes vies. Lettre de créance. C'est pour cela que vous lisez souvent dans les journaux, on dit palais diplomatique ou palais de l'unité. Le président de la République a reçu les lettres de créance de tel ambassadeur, parce qu'il ne vient pas pour lui-même. Il est envoyé. Et parce qu'il est envoyé, à son retour, il doit rendre compte. Il ne va pas, à son retour, il ne va pas s'installer dans sa maison à Kassalapin. Il doit passer par la présidence et faire le rapport de tout ce qu'il aura fait au cours de sa mission. C'est pour cela que l'ambassadeur,
pendant ça, sa mission doit être sérieuse. J'ai abonné Hillary parce qu'elle a utilisé, n'est-ce pas, des emails privés dans le compte des emails officiels. Vraiment, ça a été une joie pour tout le monde.
nous avons été très contents. Et un autre jour, Sylvain m'appelle. Il me dit, papa va rentrer au village. Il dit, va rentrer au Cameroun. Elle dit oui. Il dit, pour moi, elle ne veut pas encore rentrer. Son maman, il a besoin de rentrer. Il veut voir ses frères. Il veut vous montrer sa joie, ce que nous avons fait à la famille. Parce que j'ai ces filles, elles ont été vraiment très courageuses, très, vraiment, elles ont montré que papa Tchakouté les a accouchées, elles ont rendu ce que papa Tchakouté leur a fait. Et je vous dis, mes filles, du courage, vous avez été très grave. Papa Tchakouté va tout d'abord en février, avec tous ses remèdes, et tout et tout. Ça a été vraiment une surprise pour nous, quand on a posé à prendre Papa Chapoté et moi. On dit que nous avons Papa Chapoté, Dieu l'aime aussi. Donc, comment dire, mon pasteur, il est parti vraiment très très bien. Il est parti dans l'amour, vraiment dans l'amour. Et je vous dis merci ce soir d'être venu célébrer la vie de Papa Chapoté. Merci au nom de ma voix, je joue ma voix, celle de la famille, Papa Tchakouté, pour dire merci d'être venu. Nous célébrons sa vie, parce qu'il a fait ce que Dieu nous manque de faire. Que le Seigneur puissant ramener chacun dans sa maison. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, à la suite de maman Odile qui a ici même planté le décor, je voudrais citer l'illustre disparu parce que j'ai l'insigne honneur de l'avoir très très bien connu. Et il aimait à nous dire, quand il nous arrivait de nous disputer, il disait, et je vais le dire comme lui en langue vernaculaire, Yung la Manda. Pour une chambre ou un peu ministre et armée. Traduction. Your neighbor is 10 times better than your brother who is minister in Yaoundé. That is what we used to say back home. Ton voisin est meilleur 100 fois que ton frère qui est ministre à Yaoundé. C'était à sa façon, Papa Tchakouté Rifobert. Il nous le martelait, il nous le rappelait assez souvent quand il nous arrivait de nous discuter pour nous dire que ton voisin qui est à côté de toi, là, si tu le négliges, tu peux pourrir dans ta maison. Le temps que ton frère ministre, président ou qui que ce soit arrive, c'en est fini de toi. Parce que Papa Tchakouté a entretenu de très très bonnes relations avec son voisinage ce soir. Une de ses épouses a effectué le déplacement pour venir lui rendre hommage. Je voudrais ici appeler notre maman, maman Kadna, qui est notre maman à tous ses enfants en blanc, mais davantage la voisine la plus proche de Papa Tchakouté et Rifobert. Elle ce soir aura certainement quelque chose à nous dire. Merci, maman, on va approcher. Merci, maman. Bonjour, vous pouvez faire chambre. Merci, maman. Merci, maman. Après, je me tiens chaud. Je vais me tiens chaud à le témoignage. Je me tiens chaud à la chapeau de Elie Frobella. Je me tiens chaud. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce A vous un symptôme au sein de la Baba Matsonga nous souligne. D'abord, donc ta fois que comme, ou tu as un cycle comme, ou que j'en chauffe à coco, ou tu dois là, ou tate et papa, nous j'en dois ta papa, sauf que tu me tapes. Ne y a ou ne, nous soyons de cela, sauf que tu, ou ce que tu m'étais donné, sauf que tu, bah si nous tu me souligne pour là. Je ne sais pas si vous avez un bon travail.
Merci. Même pour ceux qui n'ont pas écouté maman, parce qu'elle s'est exprimée en langue vernaculaire, vous avez quand même pu ressentir la charge émotionnelle dans sa voix. Et on va résumer du mieux qu'on a pu retenir. Papa Tabali Flaubert, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'était ce monsieur qui aimait apprenait le fait qu'il fallait prendre l'enfant de votre voisin comme votre enfant, prendre votre voisin comme vous-même. Maman a dit que papa a souffert. Il a fait le tour des hôpitaux à Douala, sans succès. Il est allé à Yaoundé où il a passé du temps dans des hôpitaux, malheureusement sans succès. Il est venu juste ici en Amérique. Et ici, j'ai envie de dire qu'il y a eu un succès parce qu'il a été dit, et on l'a célébré à l'église, qu'il était cancer free, right? Donc il a été guéri en Amérique. Mais comme quelqu'un l'a dit plus tôt, ce que nous aimons, le Créateur l'aime encore plus. Et donc papa a souffert, et comme il n'y a pas un temps qui dure tout le temps, Dieu a décidé qu'il était temps pour son fils, notre Père, de rentrer, continuer son œuvre auprès de lui. Aussi, maman lui souhaite que la terre de nos aïeux lui soit légère. Merci. On va continuer dans les témoignages ici maintenant en rentrant de plein pied dans le noyau dur même de la famille. Ces enfants, ils sont quatre. Ça, c'est pour le compte des États-Unis. Je ne suis pas prophète, je n'ai pas la prétention de me substituer à l'homme de Dieu, mais je vais quand même vous dire, soyez en paix avec vous-même, maman Odile l'a dit. Vous avez témoigné de votre amour à papa Tabali Flaubert, et je crois que de là où il est, vous pouvez dormir tranquille. Ici, maintenant, on va appeler la première des enfants Tchakoudé, qui viendra nous rejoindre ici, question de nous dire également quels sont les sentiments qui sont les siens. En... Et puis on a eu la chance d'arriver en Amérique. Quand sont arrivés notre grand frère, Tchakoudé Hermond, il a fait tout pour que le papa vienne se soigner. Papa est arrivé ici, ça n'allait pas. On a découvert qu'il avait un cancer. Bon, le cancer, on a fait au moment de la chimiothérapie, c'était vraiment une période très difficile pour nous parce que parfois nous restons pleurant parce qu'on voit qu'on va souffrir, nous ne dormons pas. C'était très difficile, on a passé des moments vraiment très difficiles avec lui. Mais quand Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant, papa a guéri du cancer. Parce que nous sommes allés refaire les examens, papa était guéri du cancer. C'était vraiment une grâce, une joie. Nous avons célébré, nous avons appelé quelques amis, et puis on a fait une fête. Du moment de janvier, papa a dit, moi je vais rentrer, je ne vais plus rester ici. Je vais rentrer, je me sens si seul ici. Vous partez au matin, vous revenez au soir. Bon, c'est difficile pour moi de rester avec toute seule à la maison. Je vais aller rester près de ma femme, je vais aller rester près de mes petits-enfants. Je vais rentrer. Bon, on n'a pas trop voulu qu'il rentre, mais il fallait vraiment qu'il rentre. Parce qu'il était déjà guéri, c'était déjà un grand pas.
Mon papa est rentré, on a fait une fête le samedi, le lundi, il a pris l'avion, il est rentré. Tout allait bien, c'était une très grande fête. On a célébré l'arrivée de papa au pays. C'était le même jour où les Lions ont gagné le match, la CAN d'Afrique. C'était une très grande fête à la maison. On s'est envoyé des photos, c'était une très grande fête. Quelques temps après, papa a rechuté, on l'a mis à l'hôpital, il est rentré en poste Yaoundé, ça n'allait toujours pas. Après un moment, ça s'est complètement calmé. Bon, c'est un mercredi, papa a chuté. Avant de chuter mardi, papa m'a appelé mardi. Je n'ai pas travaillé mardi, papa m'a appelé. Mon neveu m'a appelé, il m'a dit, papa, prends peine de te parler. Bon, quand j'ai pris le téléphone, il m'a dit comment tu vas, les autres. Comment va Freddy? Parce qu'il a vraiment connu quelqu'un de bien ici au nom de Freddy. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Freddy, nous te disons merci. J'ai dit, je vais bien. Et tout. Il dit, bon, je t'appelle pour te dire merci parce que je l'avais envoyé quelque chose. Il m'a dit, je t'appelle pour te dire merci et que vraiment le Seigneur te garde. C'est-à-dire, il m'a remis une bénédiction. Je ne sais pas. Bon, même mercredi, il a chuté. Bon, je n'ai plus jamais suivi la voix de papa parce que quand il a chuté le mercredi, le jeudi, on ne pouvait plus parler, le docteur avait dit qu'il ne pouvait plus parler, bon, son état était déjà un peu très avancé. Ça n'a pas vraiment donné, on a tout fait jusqu'à une minute de mercredi qui suivait. On nous a appelé les 15h que papa est parti. Vous savez, c'est vraiment. Il va vraiment se reposer, mais la séparation, elle est très difficile. Elle est très difficile parfois. Pour rester, c'est vraiment difficile. Vraiment, je vous remercie d'être là. Je vous remercie tous et que le Seigneur vous ramène dans vos messieurs respectifs. Bonne soirée. Bien. Merci pour ce courage. On va continuer tout de suite maintenant avec bien. Souffrez que ça se passe comme ça se passe. C'est tout plein d'émotions derrière moi. On va passer tout de suite maintenant à l'aîné de la famille en Amérique. On va appeler Sylvanie. Viens nous rejoindre. On va juste rappeler à tous les intervenants que précision et concision sont de rigueur, les longues prières et en charge de fatiguer les anges. Merci. Bonsoir, chers parents, chers frères, chers sœurs. Je vous remercie d'être nombreux ce soir. Comme a dit tantôt le pasteur, je ne vais pas trop parler. Comme a dit maman, je voulais juste remercier Freddy, parce qu'il a fait mon papa. Et demander à papa de se reposer en paix, tellement souffert. Qu'il se repose en paix, que papa ait vraiment un œil sur nous, qu'il nous couvre, qu'il nous garde, qu'il nous protège. Merci beaucoup et bonne soirée. Il faut pouvoir le faire. On va boucler la boucle ici maintenant avec. Le seul coq de cette basse-cour. On va demander à Didi Michakouté de bien vouloir le rejoindre. Ladies and gentlemen, everybody here, thank you for coming. My family and I, we really appreciate your presence here. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir. Vraiment, merci d'être avec nous. C'est vraiment difficile. Je vais vous dire, papa, c'est quelqu'un qui aimait l'amour, c'est quelqu'un qui avait du respect pour tout ce qui était autour de lui, c'est quelqu'un qui n'aimait pas juger les gens. Si vous m'avez connu, je suis comme mon papa, et c'est comme ça que notre famille, nous tous ensemble. I'm trying to say, madame, for someone who likes so. Spirit people, we respect everybody, love
respectful, all of you, people, the family, friends. This was someone who like to fast people. It was someone, if you see me, I'm exactly like Madame. We all had exactly of family. So because it was someone who was always trying to bring people together, it was someone who was trying to always make things, make people smile. That's who I am, because I get that from my dad. Merci vraiment d'être avec moi aujourd'hui. C'était un papa malade qui a été vraiment malade durant toute son enfance. Mais avec le courage que nous avons eu, on s'est battu comme on pouvait. Parce que j'ai eu ce courage, pourquoi? Parce que je suis né à 11 mois. Ma mère a été enceinte de moi. 11 mois. J'étais 11 mois dans ce monde. Et j'ai commencé à marcher à l'âge de 11 ans. Donc ce qui fait que ça n'a pas été, mes parents ont beaucoup lutté pour moi. Ont beaucoup lutté pour moi. Donc ce qui m'a donné le courage de lutter pour mes parents, c'est parce qu'ils ont lutté pour moi. Ils ont vraiment lutté pour moi. Et je vous remercie tous d'être ici. Je ne peux pas finir sans remercier à Frézy, à mon beau-frère Serge Jamel qui est ce soir ici, à toute la famille, à Virginie Fallon et à son mari. Et je vais passer la parole aussi à notre grand frère qui est venu du Canada, juste pour nous soutenir. Il aura un mot à dire vraiment. Thank you, everybody. Thank you. I really appreciate your presence here. Thank you so much. Question, s'il vous plaît. Pour moi, c'était un au revoir qu'il est venu dire aux enfants. Il est venu passer ses derniers instants avec les enfants, puisque la majorité des enfants sont ici. Donc, je pense que Dieu a voulu qu'il soit ici pour passer ses derniers moments avec ses enfants. Et moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les enfants sont tous là en blanc. Ils ne sont pas en noir. Pour moi, ce n'est pas un deuil, c'est un au revoir. Donc, on lui dit au revoir dans la joie. Parce que le blanc, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la joie. Et pour lui, il est parti, c'est un recommencement. Il allait dans une nouvelle voie, une nouvelle vie qui commence pour lui. Pour nous, nous devons suivre ses pas. C'est quoi? C'est l'humilité, la gentillesse. Qu'on continue à être humble de cœur et gentil et accueillant. Et je pense que vous avez eu l'opportunité de côtoyer ces enfants. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur. Alors, si vous continuez à être ainsi, je pense que le papa ne sera pas parti pour rien. Il serait venu accomplir des choses. Vous avez de nombreux enfants qui sont là. Et que l'héritage que Dieu a permis qu'il puisse transmettre à ses enfants se perpétue. Tout ce que je vous dis, merci encore d'être venu. Et puis, bon retour à tout un chacun. Dans la sérénité et puis dans la joie. Et ce soir, je ne veux pas de larmes. C'est un sourire. Il est parti, c'est vrai. C'est une grande douleur pour nous. Mais les mystères de Dieu sont impénétrables. Donc, on reste dans la joie et on lui dit simplement bon voyage dans sa nouvelle vie. Ok, bonne soirée à vous. Pas de larmes ce soir, non mon Dieu. C'est de la part du dollar canadien qui a effectué le déplacement pour nous. Merci. On va tout de suite maintenant continuer avec notre service et cet instant se veut un instant déterminant. Et à cet effet, je vais me rapprocher du corps pastoral. Question de donner ce micro à loin de Dieu qui mieux que moi saura introduire l'instant des offrandes. La parole de l'Éternel nous demande d'apporter dans la maison des trésors. Aux offrandes, c'est nous allons passer à présent aux offrandes, et qui sera mis par notre frère Félix, M. Chéri. Oh,
prions afin que ceci puisse servir d'indication à ton ministère. Nous profitons pour ceci dans l'unité, dans la gratitude, dans le seul nom béni du Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons nous lever, nous allons chanter ensemble pour recevoir la bénédiction finale. Que nous a préparé la famille Chapoutier et les amis,
Donne mon Père, pendant que nous le mangeons, de le manger avec action de grâce. Et souviens-toi, Père, que quelque part sur la planète, il y en a qui crèvent de faim. Viens, sois avec nous, par Jésus-Christ, ton Fils, ton puissant Sauveur et Seigneur, nous t'avons cette prière. Amen.
Oh,
notre trésor. Yeah.
Thank you.